je dis que la loi de 1905 et l'architecture juridique issue de la loi de 1905, ainsi d'ailleurs que la jurisprudence, oblige, et c'est bien naturel, à traiter tous les cultes de la même façon. Manquerait plus que ça, évidemment. Mais que la spécificité de l'islam en France, c'est-à-dire cette spécificité liée à la fois à un combat interne avec une lecture qui n'est pas républicaine, en tout cas pas conforme à la République, pour une partie, et le développement rapide, pose des questions que l'architecture juridique issue de la loi 1905 n'est peut-être pas en mesure de traiter.